fun, hein? Merci beaucoup. Hey, commencez pas l'émission. On est là pour 58 minutes. Commencez pas à nous faire broyer, là. Arrêtez, si on se fait broyer, vous allez tout voir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Hey, même nos charmants. Comme dirait Anne à la fin de l'émission, moi, je vais vous le dire avant. On vous aime. On vous adore. Merci beaucoup. Ah, de toute façon, on a travaillé pour vous autres depuis longtemps. Hein, puis on est drôlement contents. Vous avez été des maudits bons boss. Soyez-vous. Bienvenue. Bienvenue à cette toute dernière des Tana. Merci. On s'est forcé pour travailler, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui sont forcés pour nous écouter. Dans notre public. Les hôtesses! Bonjour! Mais oui, nos hôtesses ici à Télémétropole. C'est Michel, tu peux aller. Va t'asseoir sur les genoux, là. Ah non, la grande, Michel, allez donc. Non. Ben non, voyons donc. La dernière fois, tu vas être gêné, on t'agacerait plus à prendre le jeu. Ben oui. Ben d'abord, on va... Écoutez, là, vous nous avez émulsionnés. Oui, ah oui, ah vous nous oui. avez impressionnés. On va d'abord saluer les gens qui nous visitent. Bonjour aux gens de Donnacona. De Saint-Jean-Port-Joli. Bienvenue. De Sainte-Marie-de-Beauce. Bienvenue. Et de l'Outaouais. Bienvenue. C'est le cas de le dire. Hey, c'est fantastique quand même. On a presque les quatre coins de la province. Hein? Donnacona, Saint-Jean, Port-Joli, Sainte-Marie-de-Beauce et l'Outaouais. Oui. C'est gentil. Et on remercie Mme Quentin. Merci, Mme Quentin. Pour Madame la dernière Caron, fois, merci. Donnez des gros, gros becs, là. Mme Séguin, c'est ça? Oui. Et Mme Fortin. On les applaudit bien fort, tout le monde. Merci. Pierre embrasse les hôtesses. Moi, je fais ça tous les jours. Ben oui, mais j'en profite. Vous savez, c'est Janine, il y a le boss. Janine, hein? Oui, Janine qui est le boss de nos hôtesses. Je dis le boss, c'est pas un méchant boss, c'est un bien bon boss. Ça fait combien de temps, Janine? Ça fait 20 ans presque ici à Télémétropole. 17 ans à Télémétropole. 10 ans qu'elle s'occupe du public des Tannants. C'est vrai. Elle était du début des premières émissions. C'est Pierre. Oui. Quand j'ai commencé ici au Canal 10, ça fait 16 ans que je suis au Canal 10, je faisais des spectacles pour les enfants. Oui. Je suis sûr qu'il y a des le gens canard. Ici qui venaient voir dans le temps Midas. Mm-hmm. Oui. Venaient voir Monsieur Tranquille. Ils ont juste vieilli. On a vieilli ensemble. C'est tout simplement ça. Il y a le ça fait drôle, les derniers shows, j'ai dépensé mon Ben oui. Mais écoutez, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on peut, peut-être vous présenter à cette grande dernière, officiellement encore une fois, oui. Nos musiciens qui ont travaillé avec nous pendant... Attention. Oh, 5 ans, à la batterie, le meilleur au monde, le batteur Yves Lagacé. Le tout petit sans prétention, mesdames, messieurs, le batteur de l'orchestre symphonique des Tannants, Yves Lagacé. Notre guitariste. Monsieur Gilles Pinard! Le meilleur au monde! Et mesdames et messieurs, le dernier mais non le moindre, notre chef, Daniel Etu! On les applaudit! Bravo, c'est beau, Daniel. Et vous admettrez que les Tannants ont fait de grandes choses. De musicien qu'il était, nous avons fait un chanteur de Daniel Etu. Pierre, depuis 5 ans que je fais les Tannants, il y a un gars qui nous a jamais lâché, je pense, Pierre. Ah, ben là, écoute, ben là. Non, mais il y en a un qui nous a toujours suivi. Partout. Mais depuis 10 ans que je fais les Tannants, moi, il ne nous ben a moi, jamais lâché. Je me souviens de ma première émission, j'ai demandé, je croyais que je vais faire les Tannants, mais à une condition, que lui soit là. Ouais. J'aimerais ça vous le présenter. Papa, Marcel! Marcel Giguère. Allez, Marcello! Papa! I'm not
aventuré une bien autre à Marseille, mais il a toujours bien pris ça. Ouais, il m'a tout montré. Tout ce que je sais, c'est lui qui m'a montré, except une chose. J'ai pas appris à bébé. Il n'a pas encore appris. Et puis, on a aussi le petit dernier qui s'est rajouté à notre équipe. Hein? Ah oui. Ben oui, Richard Niquette. Richard Niquette. Richard. Richard, la relève. Richard, ça a été sa première année qu'il travaillait avec nous au Tanan. Il était traîné. Ah, oui, oui, combien oui, t'as oui. eu de chaudières d'eau, Richard? Je ne sais pas, je ne les ai pas comptées. Mais le meilleur coup que je me rappelle, c'est le sketch. Hein? Quand... Tu perds des plumes! Oh! Ah. Voyons, Popoule. C'est le, c'est le sketch quand la bouteille là, était pleine de... De vrai de gin. De vrai gin, là. Ouais, on n'a pas oublié Richard dans un sketch pour la vraie une fois. Oui. Depuis ce temps-là... Il jouait au théâtre après, puis je pense qu'il a perdu sa job. Non, non, on n'a pas été jusque-là. Et il y a une autre chose ici qu'on a fait. Hein. Vous savez que notre ami Gilles Pinard, le meilleur guitariste au monde, comme dirait Roger. Oui, monsieur. Vous savez que pour vous le prouver, on peut lui faire... Ailleurs aussi. Ailleurs aussi, voyez-vous. Au monde puis au Japon. Au monde puis au Japon. Alors, ce meilleur guitariste, on est venu à bout de lui faire faire un 45 tours, qui va sortir qui va très sortir bientôt. Hein? Et pour vous montrer à quel point c'est le champion en plus de la guitare western, regardez bien, il va nous faire l'entrée, le thème de l'émission d'où elle est. S'il vous plaît! Gilles, 1, 2, 3, 4! Daniel, excuse, c'est pas correct, ça. C'est pas les paroles. La musique, c'est parfait. Ah. Il manque les paroles, mais il y a un gars avec nous. Ah oui! Qui a les paroles officielles. Ah oui! Notre réalisateur. Il a fait, pendant je sais pas combien d'années, le Ranch Hawali. C'est lui, d'ailleurs, qui a commencé le Ranch Hawali. Ah oui! J'ai rendu jusqu'à la toute fin du Ranch Hawali. Ça a été le gros succès, le Ranch Hawali. Qui est notre réalisateur présentement. Notre boss. Notre boss, Pierre Laberge. Hey. Et on va faire quelque chose. On va même aller voir où il est, le boss. Allez, on va aller voir. Dans le contrôle. Dans le contrôle, là-bas. Suivez. On va savoir enfin les paroles. Bon, Pierre... Ça fait longtemps. Pierre, tu vas nous dire, en fin de compte, les paroles de la chanson de Willie. C'est quoi? Hey! Non, on entend la musique, là. On entend bien. Des gens partout, je leur souris. Seul au volant de mon automobile, je me fais joyeux et je ne fais pas de bille. S'il vous arrive de me rencontrer, soyez sans gêne et criez-moi Willy. Willy! Soyez sans gêne et criez-moi Willy. Merci, Pierre Laberge. Extraordinaire, franchement, 195 émissions déjà aujourd'hui qu'on a fait ensemble. Il y a des choses qui arrivent en chemin, c'est normal, je veux dire, la pression, tout ça, mais je pense qu'on a eu un public extraordinaire à la maison, on a eu un public extraordinaire qui est venu nous voir dans la salle, et puis une équipe technique, et puis tout le monde ici à Télé Métropole a collaboré à 100% pour que cette émission-là soit un succès. On va dire comment, boss, on t'aime bien. Ah oui, gros. On s'en va au commercial. Fais-nous pas pleurer, boss, parce que je vais te dire une chose, je pense que la piscine, ça pourrait peut-être être ta fête, hein? Merci, boss. OK. Il y a 16 oranges fraîchement pressées dans chaque contenant de jus Tropicana Pure Premium. Il ne reste donc aucune place pour le sucre ajouté, l'eau et les agents de conservation. Tropicana, pour des matins naturellement ensoleillés. La peau de vache devient sèche. La peau de l'homme peut devenir sèche, elle aussi. Dove Men Plus Care avec Micro Moisture aide votre peau à ne pas devenir sèche et tendue. Cette technologie unique lutte contre la sécheresse de la peau. Votre peau d'homme reste donc propre et hydratée. Même si vous la mettez à l'épreuve, Dove Men Plus Care, sentez-vous bien dans votre peau. Maintenant offert, le shampoing et le désodorisant Dove Men Plus Care.
C'est l'événement coupé court à l'hiver d'Infinity. Pour un temps limité, profitez d'offres incroyables sur toute la gamme Infinity. De Black Diamond, le fromage à effilocher qui nourrit vos enfants et leur créativité. Les vertus du fromage naturel se trouvent dans tout ce que nous faisons. Black Diamond, maître fromager depuis 1933. Prise 2 prolonge le 50e de TVA. Voilà, pas mal! On vous a réservé de beaux moments. Un spécial Canal 10. De lundi à jeudi 23h sur Prise 2. Merci beaucoup. Vous savez, hier soir, j'étais couchée et puis j'arrivais pas à dormir. Je pense qu'il était encore 3h du matin, je dormais pas encore. À penser à tout ce que je voulais dire à mon public avant de faire cette dernière émission. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas vraiment rien qui... J'ai parlé comme ça là, pendant de 11h jusqu'à 3h le matin, à essayer de trouver. Et je pense que la seule chose que je puisse vous dire, c'est que pendant toute cette saison, j'ai fini l'émission en disant « Merci d'être là tout le monde, on vous aime ». Et croyez-moi, c'est sincère, c'est du plus profond de mon cœur. Je vous remercie d'avoir été là, de nous avoir encouragés pour toutes ces belles lettres. Ces mots d'encouragement, ces mots d'amour, quand on marche sur la rue, les gens qui nous regardent, qui nous aiment. Je vous remercie pour cet amour, parce que Dieu sait comment on a besoin. Merci. On trouve l'amour près de nous chaque jour. Pourquoi chercher loin quand il vous tend la main? Levé du jour, on se dit bonjour, un sourire, un rire, un regard, un mot, une pensée d'amour pour faire oublier. Et voilà déjà la journée passée, on trouve l'amour près de nous chaque jour. On trouve... Quand il tend les bras à vos papa, maman, rappelle tout le temps l'amour au présent. C'est l'étoile dans le ciel, la lune qui s'éveille, c'est l'oiseau au réveil qui chante le soleil, lumière de la vie, c'est notre amour, c'est nous. Se savoir dire bonjour quand arrivent les mauvais jours. On trouve l'amour près de nous chaque jour. Pourquoi chercher loin quand il vous tend sa main? Bonheur, confiance, tendresse, amour. Faut se rappeler ces mots tous les jours pour que grand amour puisse durer. Que nos derniers souffles soient des mots d'amour. Bonheur, confiance, tendresse, amour. Faut se rappeler ces mots tous les jours pour que grand amour puisse durer toujours. Que nos derniers souffles sois des mots d'amour. Je vous aime vraiment. Merci. TVA 50 ans, c'est pas peu dire. 50 autres, c'est pas peu dire non plus. Bon anniversaire, TVA.
Voici les nouvelles sangles de levage Form Forklift qui vous permettent de transporter aisément meubles, électroménagers et matelas. Les chariots peuvent endommager vos planchers et les diables malmener vos escaliers. On lève, on tire et les matelas s'endommagent. Fini les manipulations dangereuses et éreintantes qui vous forcent à se pencher. Ces courroies ajustables vous permettent de transporter tout article à quelques pouces du sol sans avoir à lever trop haut. Les chariots sont difficiles à manœuvrer, mais avec les sangles Form Forklift, vous pouvez soulever au-dessus des seuils de porte tout en favorisant une technique idéale de levage, donnant l'impression que la charge est plus légère. En tant que médecin, je conseillerais l'utilisation des sangles Forearm Forklift parce que je crois que c'est un outil sécuritaire. Je préférerais que mon époux soulève des meubles en utilisant ses sangles au lieu de manuellement parce que je veux qu'il protège son dos. Lors de notre déménagement, nous avions un énorme cinéma maison. On l'a descendu des escaliers au camion en un rien de temps. Voyez comment il est facile d'utiliser les sangles de levage ajustables Forearm Forklift. Placez les courroies sous l'objet à déplacer, croisez les sangles, pliez vos genoux, insérez vos bras dans les ouvertures appropriées, placez vos mains à plat sur l'objet, gardez le dos droit et soulevez. Appelez maintenant et vous obtiendrez deux sangles Forearm Forklift de 2,84 m chacune, un guide d'utilisation pour seulement $19.95 plus les frais de livraison. Vos avant-bras sont des points d'appui naturels qu'utilisent les sangles à leur plein potentiel. En fait, vos avant-bras peuvent soutenir des charges beaucoup plus lourdes qu'en levant seulement avec les doigts, laissant vos mains libres pour une stabilité et une manœuvrabilité accrue. En tant que contracteur, j'ai à transporter des bains, du gypse et franchement, ces courroies sont vraiment pratiques et faciles à utiliser. En plus, ils doivent durer longtemps. Appelez dès maintenant pour obtenir l'ensemble de sangles de levage Forearm Forklift et un guide d'utilisation étape par étape pour seulement $19.95 plus les frais de livraison. Mais ce n'est pas tout. Nous inclurons aussi en bonus ces pratiques gants de transport, plus une courroie d'extension pour les morceaux de grande dimension. Elle vous permet d'ajouter près d'un mètre à vos sangles et transporter un meuble aussi grand que celui-ci. Vous ne paierez que les frais de transport additionnels. Appelez dès maintenant pour obtenir les sangles de levage Forearm Forklift pour seulement $19.95 plus les frais de livraison. Nous inclurons aussi en bonus les pratiques gants de transport, plus une courroie d'extension. Appelez maintenant. Non. Bonne fête, TVA! Au Tanner, c'est le dernier 5 sur 5. Et voici votre animateur, Pierre Marcotte. Merci, second état, Richard Niquette. Bonjour. Bonjour, Richard. Ça va bien? Ça va bien, toi? Déjà dernière. Ben oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour la dernière? J'ai préparé d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des gags. Puis tel que promis, j'ai le plaisir d'inviter Jacqueline Fortin à venir souper avec moi à Boucherie. Parce que j'ai... Tu l'avais promis ça au début. Oui, j'avais promis le meilleur gag, mais ça a été dur de trouver le meilleur gag. Mais Jacqueline m'en a envoyé au-dessus de 200 écrits à la main. Alors, si vous voulez voir le travail de Monastère qui est là-dessus, c'est pour ça que ça me fait un plaisir de l'inviter un de ces lundis soirs à souper avec moi à la Boucherie, où les patrons vont sûrement être. Hein? Oui, Charles. Est-ce que oui, je peux on va dire... avoir beaucoup de temps pour être ouais. là. Est-ce que je peux dire que c'était les derniers 200 gags de Richard? Oui, bien après, on va faire une chose avec toi après. Après ton souper à la boucherie, OK, je suis convaincu que mon associé, là, devant sa... lui, là, il a le cœur grand comme un... Hein? Oui. Un autobus. Ouais, moi, hein? je vous reçois avec là, la dame qui a le cœur grand comme chez Cordélia. Où? Je vous reçois chez Cordélia au Champagne. Oui. Et voilà, après... je le savais. Bravo. Au Champagne. Alors, ça va être un lundi soir, parce que je travaille pas le lundi soir, hein. Je suis pas au théâtre. OK. Alors, j'ai un dernier gag, un bon, j'ai gardé pour la fin. Alors, c'est une maîtresse d'école qui dit à ses... J'ai oublié de dire, Cordélia, c'est fermé le lundi. Non, c'est pas vrai. On ouvrira le lundi. C'est pas vrai, Richard. Non, hein, tout vrai. Okay. Alors, c'est une maîtresse d'école qui dit à ses élèves, « Monsieur l'inspecteur s'en vient avec monsieur le curé, alors répondez comme faux questions. » L'inspecteur arrive, il pose une première question, « Qui a détruit les colonnes du temple? » Personne ne répond. Alors, il pointe un petit gars dans la classe, il dit, « C'est qui? » Alors, le petit gars dit, « C'est pas moi, monsieur l'inspecteur, je vous le jure. » La maîtresse répond, « Mais c'est pas mon petit Clément, parce que c'était mon petit Clément, il vous le dirait, il est pas menteur. » Le curé de répondre, « De toute façon, que ce soit Clément ou pas, la fabrique va payer. » C'était le dernier gag de Richard. Marie-Jo, de quel endroit? Sainte-Marie de Beauce. Bonjour, Marie-Jo. Bonjour, Marie-Jo, et bonne chance, Marie-Jo. Bonne chance. Pierre, j'aimerais ça qu'on remercie aussi les gars là, qui ont travaillé fort en arrière, les machinistes. Ben, voyons donc. Il n'y a pas d'émission de télévision qui ne peut se faire sans un groupe. Voici le représentant par excellence des machinistes, Pierrot. Ces gars-là, ça paraît pas meilleur travail un coup. Oui, oui. C'est les autres qui ramassent l'eau qu'on se lance. Ouais. Mais... On les appelle les bras, puis c'est pas pour rien. Ils se font les bras à déménager les décors comme ils le font. Je vous dis que tirez pas du poignet avec eux autres. Bon. On essaie, mais on perd tout le temps nos payes. Hein? Je joue avec. C'est pour ça qu'ils travaillent avec nous autres. Je joue avec Irène, de quel endroit? Donnacona. Donnacona! Bon. Merci, Irène. Et bonne chance, Irène. C'est à vous à commencer, Irène. A2. A2. A.
Oh! Irène, on donnait le titre de infante aux enfants puis-nés des rois d'Espagne. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. À? Marie-Jo? À deux. À deux. Homère est le plus grand poète épique de tous les temps. Vrai ou faux? Faux. C'est vrai. C'est vrai. Irène? B3. B3. Irène, c'est Alexandre ou Alexander Pope qui a dit « Errer est humain, pardonner est divin ». Vrai ou faux? C'est faux. C'est vrai. Il a dit ça, lui? Oui. Ah oh, ben! Marie-Jo? À quatre. À quatre. Oh! Marie-Jo, première épreuve. Attention. C'est l'aviron qui nous mène, qui nous mène, qui nous mène. Roger. Le dernier coup, j'aime ça. Marie-Jo reçoit les conseils de circonstance de Richard. Richard, prêt? Et c'est parti, 30 secondes. Marie-Jo, battue. Et 50 points pour Irène. Marie-Jo, on est battue à A. C'est beau, Marie-Jo. Merci, félicitations, Irène. Félicitations, Irène, vous avez bien fait ça, Irène. 50 points. B5. Vous avez bien fait ça. B5. Oh. Irène, Aaron et Moïse étaient frères. Vrai ou faux? C'est faux. C'est vrai. Comment ça se fait, Aaron? Votre histoire sainte, alors... Hein? Hein? Marie-Jo. À un. Marie-Jo, c'est le Canada qui produit le plus d'argent. Vrai ou faux? Faux. Faux. C'est le Mexique. Bravo! Irène? B1. B1. Irène, les Arabes appellent Dieu Jéhovah. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Allah. C'est faux. Marie-Jo? B4. Oh! Marie-Jo, venez me voir. Attention, parti! C'est parti. Gagnante avec 50 points et on est bloqué avec Marie-Jo. Attention, Irène, à vous. C4. Irène, on appelle un disciple d'Esculape un médecin. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui? Disciple de... Ah bien, je vais aller voir mon disciple d'Esculape. Oui. B2. Marie-Jo, l'Australie a déjà été appelée le Nouveau-Mexique. Vrai ou faux? Faux. 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 Bravo. L'Australie a déjà été appelée la Nouvelle-Hollande. Irène. D2.
T2. Irène, Mercure est la plus grosse des planètes. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. C'est la plus petite. C'est faux. Marie-Jo. C'est quatre. Marie-Jo, sur la Terre, la durée de la nuit est en moyenne de 12 heures. La durée de la nuit sur la Lune est de 18 heures. Vrai ou faux? Faux. Faux. Bravo! 14 jours environ, la durée de la nuit. Irène? 5. 5. Risque de terminer, Irène, avec 140 points. Comment 140? Saltimbanque signifie un acrobate ambulant. Vrai ou faux? C'est faux. C'est vrai. D4. Oh! Marie-Jo, on s'habille. Venez. Irène, vous prenez place. Approchez ici. Approche. Bon, là, c'est la dernière fois, hein? Tâchez d'être bien, hein? Prête? Attention. Parti! Non. Irène et Marie-Jo, vous n'avez pas attaché ça. Ça, c'est pas attaché. Et ça, non. Il n'y a pas... Irène gagnante! On est vite, hein? Irène gagnante! Je pensais que vous ne l'aviez pas attaché. Vous avez fait un nœud? Je me demandais... Vous avez fait des nœuds? Vous avez fait des nœuds? Mais ben, parlez-moi de ça, vous avez bien le droit de faire ce que vous voulez, remarquez. Ouais, pareil, ma première chose de il a notre gagnante à 5 sur 5 avec en caisse 190 $. Oh! Marie-Jo, prix de consolation pour vous. Bon, ben là, c'est sérieux, hein? Là, c'est sérieux. Vous avez 190 $. Voulez-vous en gagner davantage? La roue est pour vous. Ça vous ferait-tu de la peine d'en voir un à l'eau, dans le fond? Je vous pose la question. Mêlez-vous pas de ça, là. Attends. C'est effrayant, ils sont en train de se mêler. Dites-moi si, dans le fond de votre cœur, là, pour la dernière émission, ça vous ferait-tu de la peine d'en voir un à l'eau? Ben oui, un des deux. Vous en voulez un des trois? Oui. Mais Pierre, moi, je pense que mieux que nous autres. Moi, j'aurais été... Je sais pas, écoutez, mais attendez une seconde. Moi, c'est vous ce que j'ai pensé? Pour Saint-Pierre, j'ai pas de préférence. Ben, c'est ça, je me demandais. T'as même mis l'argent que nous voir à l'eau. Bon, ben, à ce moment-là, on va vous donner l'argent pour on ira pas à l'eau. Oui, ça, c'est une bonne idée. Êtes-vous d'accord? L'argent automatique? L'argent automatique! L'argent automatique. On va pas à l'eau. Ben, c'est 100 piastres. Ah, ben non, mais 100 piastres, ça va dépendre. Vous allez tourner ce coup-là. Ah, oui. C'est ce que vous faites? OK. L'argent automatique, celui qui est choisi monte, de toute façon, mais on lui donne l'argent qui arrive quoi que ce soit. C'est bien, ça. OK. Okay. Ah, j'ai un meilleur truc les que ça, photos. Moi. Quoi? On va monter chacun notre tour avec 3 balles pour l'argent. Ah, oui. Irène. Hein? Juste l'argent, Irène. OK. Juste l'argent. Laissez faire, on monte. Ah, il va tous les trois. Et pour combien? Irène. Va-t-elle nous lancer à l'eau? 100. Oui! 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 Oh. 50 $. Ce qui ferait un grand total de 240 $. Oh, c'est beau! Écoutez une chose. 3 balles, Pierre. 3 balles, automatiquement. 3 balles? Regarde. En voulez-vous des balles? Les gars sont dit. On vous a parlé des machinistes tout à l'heure. C'est signé machiniste. Vous voyez ce que ça peut faire, un machiniste? 5 balles. Bon, là, il y a combien de balles? 5 balles? 3 balles. Une balle chaque? OK, une balle chaque. Qui va le premier? Roger. Et je me sacrifierai comme toujours. Après beaucoup de pratique, je serai le dernier. Elle ne me manquera sûrement pas. Voulez-vous en plus votre coup de pratique, ma belle Irène?
De toute façon, vous avez le 50$. Là, il vous reste plus juste une chose. Roger. Le plaisir d'en envoyer un. Je vais aller te rejoindre. Glenn, un coup de pratique. Coup de pratique. Bon. Irène. Non, pas comme j'ai ça. J'ai l'impression que pas. Ça va être ma fête. Comme ça, Irène. Wow. Irène, voyons. Avec ton veston, Roger. Roger, avec le veston? Avec le veston, monsieur. Soyons braves. Ça paraît que ça vient des costumes. Attention, Irène. PERT Plus, pour faire ressortir vos atouts sans chichi. Le shampoing revitalisant PERT Plus 2 en 1 nettoie et prend soin de vos cheveux. Il rehausse votre chevelure. Plus, il garde vos cheveux brillants et en santé. Plus, il redonne de la vitalité à votre chevelure. Plus, il rend les cheveux plus disciplinés. Plus, il redonne du corps sans les alourdir. PERT Plus redonne un petit plus à toutes les chevelures, car nous aimons vous mettre en valeur. Faites ressortir vos atouts avec PERT Plus. Si vous croyez que les héros ne sont que dans les films, pensez à ceci. Plus de 70% des pompiers sont des pompiers volontaires. Ce sont nos voisins qui mettent leur vie en péril. Lorsqu'ils doivent compter sur une pile, des pompiers de partout font confiance à Duracell. Et maintenant, vous pouvez vous joindre à Duracell pour les aider. En achetant les emballages spécialement identifiés, Duracell fera don de piles aux pompiers volontaires canadiens. N'est-il pas important de pouvoir se fier à quelqu'un? Duracell, on s'y fie partout. Signature Maurice Tanguay propose son grand solde annuel. Des centaines de meubles et d'accessoires soldés spécialement pour l'occasion. Et en plus, sur toute la marchandise, nous payons les deux taxes pour vous. Un service de décoration personnalisé, une livraison rapide partout au Québec et les deux taxes payées sur tout. Le grand solde annuel, un événement unique, seulement chez Signature Maurice Tanguay. Et si vous achetez durant le grand solde annuel de Signature Maurice Tanguay, vous aussi vous aurez droit au tirage du million Tanguay. Libérez les vertus de la nature et brillez avec le shampoing de Pantene Nature Fusion. Découvrez les bienfaits de l'essence de casse combinée à la perfection avec la science de Pantene Pro-V. Cette formule de pointe revitalise les cheveux endommagés pour libérer un superbe éclat aujourd'hui et rend vos cheveux jusqu'à 4 fois plus résistants contre les dommages en 14 jours seulement. Nature Fusion de Pantene. C'est possible grâce à Pantene. Aujourd'hui, Prise 2 fête les 50 ans de TVA. Je vous invite personnellement à une journée de programmation spéciale remplie de surprises. Venez revivre les grands moments de votre vie à travers les grands moments de votre télé. Fêtez avec moi 50 ans de bonheur. C'est un rendez-vous. Aujourd'hui, programmation spéciale à ne pas manquer sur les ondes de Prise 2. Et ne manquez pas les reportages dans la revue Séjour. Comment ça va toujours, là? Hein? Et, pensez-vous que ça va arriver bientôt? Oui, je suis dans mes contraceptions, là. Je suis à peu près aux 5 minutes, là. Aux 5 minutes? Oui, oui. Voulez-vous m'aider? Je pense que j'en ai une, là. Ah, ben respirez comme il faut. Non, non, non. Bon, OK. Comment ça, je vais être étourdi, hein? Ben oui, c'est ça. OK. Bon, les bras en l'air. Les bras en l'air. Oui. Soufflez, bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis étourdi, docteur. Non, non, mais une minute, là. Abriez donc. Il y a froid, je pense, pour ça. Êtes-vous un interne? Non, non, je suis un médecin. Je suis un médecin, mais je passe souvent pour un interne. C'est pas un interne? Non, non, non. Un non. Médecin... Qui passe pour un interne. Ah, bon. Ben, comment vous aimez notre hôpital? C'est bien, maintenant, mais c'est hein? Comme si j'étais chez nous. C'est ça. C'est la nouvelle thérapie pour les mamans. Ben, oui, j'avais... Vous savez, on voudrait vous accoucher, vous, les femmes, à la maison, maintenant, mais... Oui. Vous, aidez-moi c'est donc. Pas possible. Aidez-moi! Ben, oui, quelque chose! Ben, non, pisse! Oh, non,
qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Un instant. Oui, oui. Faites comme vous, faites des respirations. Respirez. Un gros coup à l'encouragement moral. Ça vous fait moins mal? On va vous amener tout à l'heure à la salle d'accouchement. Je pense que ça va tout bien se passer. C'est pas votre chance, premier. C'est nous autres qui est bébé, pour vous autres, hein? Ben, oui. Et je dois vous avouer qu'on fait de la marche à pied, nous autres. Oui. Ça vous fait rire. Bon, alors, nous, dans cette atmosphère de maison, de domicile, je suis très fier que vous ayez choisi notre hôpital. Et je vais vous dire une chose. Ça va être un beau bébé. Tu as ça, vous pouvez vous passer? Ben, d'après ce que j'ai ausculté, là, de la façon dont vous le portez. Attendez, levez-vous donc debout, là. Ça dépend de la façon dont vous le portez. Si vous le portez ses hanches, c'est un petit gars. Si vous le portez plutôt en avant, c'est une petite fille. Bon, levez-vous. Levez-vous un petit peu. Parce que moi, je vous dis, les derniers mois, j'ai perdu un peu l'équilibre. T'sais. Ah, ouais? Ouais, non, je pense que c'est des jumeaux. C'est un petit gars, une petite fille? Un petit gars, une petite fille? Des jumeaux? Oh, mon Dieu! Des jumeaux, ouais, ben, non, vous êtes mieux peut-être, reposez-vous, hein? Merci, docteur, hein? Bon, mais c'est ça, là. Je suis contente. Oui. Je suis contente, vraiment, là. Ben, moi aussi. Je suis heureuse. Non, respirez profondément, hein? Ah! Bon. Oui, mais relâchez. C'est ça, ça va bien se passer. Je vais vous envoyer examiner par d'autres, là, puis ça va bien se passer, je vous le promets. C'est-tu long, hein? Ça fait 18 heures, je suis une main. Ben oui, ça fait mal, donc. Ah, bonjour! Bonjour, ma petite madame. Bonjour. Êtes-vous médecin? Non, je suis interne, mais je passe souvent pour un médecin. Ah, vous êtes interne, mais vous passez souvent pour un médecin. Oui. Ah, bon. Bon, on m'envoie pour prendre votre pouls. Mon pouls? Oui. Mon pouls. Tu parlais, c'était pas comme ça qu'on prenait ça, le pouls, hein? Ah, non, mais ici, on a une méthode très spéciale de prendre les pouls. Ah, bon? Oui, vous en avez pas, ça a l'air d'être correct. Bon. Parfait. Est-ce qu'on vous a dit que vous aviez des jumeaux ou rien qu'un? On m'a dit, le verdict a été unanime, je vais avoir des... jumeaux! Voilà. Mais dans ce cas-là, vous seriez mieux de prendre une nourrice, hein? Et votre médecin vous a conseillé ça, là, hein? Oui, une petite carisidrine, une petite shot de gin, puis au la galère. Avez-vous pris votre petite carisidrine, là? Oui. Bon, ben prenez donc votre petite shot de gin. Une petite shot de gin. Oh! Appelez-vous, même chose. Bon, alors là, je pense que... Ouais, commencez donc à respirer, là. Allez-y, là, avec moi, suivez-moi. Je n'ai pas encore eu, mais si j'en ai des noirs et blancs, je vais vous en passer. Allez-y avec moi, là. Okay. Non, c'est pas Merchant qu'on fait ça, Père Noël qui fait ça. Ah bon, ben essayez avec I d'abord. Essayez avec. Ah, ben, je pense que le train est en veille de passer, là. On va vous envoyer un autre médecin vous examiner. Non, mais je vais vous demander quelque chose. C'est un hôpital psychiatrique, c'est... Non, mais disons que c'est un hôpital très spécial. Très? On vous remercie infiniment d'avoir choisi notre hôpital, oui. Qui, par son service personnalisé, essaie d'accommoder nos patients. Vous êtes un interne qui peut devenir un médecin plus tard, vous, hein? Non, je suis un interne qui passe souvent pour un médecin. Ah, OK. Parfait, alors je vais retourner à l'internat, si vous voulez bien me laisser aller. Bonjour. Je vous envoie un autre médecin. Bonjour. De grâce, couvrez-vous de peur d'attraper froid. Bonjour. Bonjour. Un vrai fou. Là, vous pouvez aller. Pas de même qu'on accouche. Voyons d'or. Ah, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? 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 Donc, on m'a des questions. Hein? Ah, mon, que c'est venu à vous! Hein?
crime, j'ai fait piquer! Non, non, non! C'est les petits maringouins, ça? Hein? Les petits maringouins. Hey, peux-tu te toucher? Ben, soyez pas. C'est boulouloulou. Hey, j'aime ça, mon. Crime-là, une minute. Il dit vous y'a! Y'a! Ah, comme ça! Non, attendez un peu, vous écoutez! Ouais! Ouais! Crime, il parle! Oh! Hein? Ouh! Aidez-moi! Je vous jure, il a fait quoi? Herbeil! Je vais vous demander quelque chose! Je vais vous demander quelque chose! Mais oui, des ballons, vous! Ben oui, pourquoi vous pensez que je suis en pleine mer? Eh bien, je vais vous demander quelque chose. L'impression, votre mari, c'est non. Je vais vous demander quelque chose. Assuré. Je vais vous demander quelque chose. Oui. Êtes-vous un médecin qui passait pour un interne ou bien un interne qui passe pour un médecin? Non, moi, je suis un plâtrier puis je passe pour aller peinturer. La vie est plus belle quand on est bien préparé. C'est pourquoi Manuvie offre des solutions financières intelligentes en matière de placement, d'assurance, d'avantages sociaux et de services bancaires. Parlez-en à votre conseiller ou visitez manuvie.ca. Signature Maurice Tanguay propose son grand solde annuel. Des centaines de meubles et d'accessoires soldés spécialement pour l'occasion. Et en plus, sur toute la marchandise, nous payons les deux taxes pour vous. Un service de décoration personnalisé, une livraison rapide partout au Québec et les deux taxes payées sur tout. Le grand solde annuel, un événement unique, seulement chez Signature Maurice Tanguay. Et si vous achetez durant le grand solde annuel de Signature Maurice Tanguay, vous aussi vous aurez droit au tirage du million Tanguay. Si vous croyez que les héros ne sont que dans les films, pensez à ceci. Plus de 70% des pompiers sont des pompiers volontaires. Ce sont nos voisins qui mettent leur vie en péril. Lorsqu'ils doivent compter sur une pile, des pompiers de partout font confiance à Duracell. Et maintenant, vous pouvez vous joindre à Duracell pour les aider. En achetant les emballages spécialement identifiés, Duracell fera don de pile aux pompiers volontaires canadiens. N'est-il pas important de pouvoir se fier à quelqu'un? Duracell, on s'y fie partout. La peau de vache devient sèche. La peau de l'homme peut devenir sèche, elle aussi. Dove Men Plus Care avec Micro Moisture aide votre peau à ne pas devenir sèche et tendue. Cette technologie unique lutte contre la sécheresse de la peau. Votre peau d'homme reste donc propre et hydratée. Même si vous la mettez à l'épreuve, Dove Men Plus Care, sentez-vous bien dans votre peau. Maintenant offert, le shampoing et le désodorisant Dove Men Plus Care. Shogun, un véritable chef-d'œuvre télévisuel. Shogun, l'honneur et l'horreur. Shogun, la beauté et le drame. Avec Richard Chamberlain. Prêtre, de brûler mon navire. Tout est fini. Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur dans ma vie. Maintenant que vous êtes samouraï, on risque de vous donner l'ordre de mettre fin à vos jours. C'est le karma. Voyez les séries mémorables Shogun dès le 14 mars, seulement à prise 2. Des studios à la Télémétropole, un homme de chance. Youpi! S'il vous plaît, Madame Pierrette Godin. Madame Godin. Bonjour Pierrette. Avec qui? Donna Connor. Donna Connor. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter, Pierrette? Il est trop tard, mais je vais m'asseoir parce que je ne suis pas supposée chanter aujourd'hui. Non, vous voulez vous asseoir près de Daniel? Ça va vous donner du courage? Oui. Okay. Attention. Daniel, pour cette dernière, enlève tes oreilles. Enlève tes oreilles de plastique. Tout vient de là. Ton talent vient des oreilles de plastique. Pendant que je rêvais, pendant que je dormais, les aiguilles ont tourné,
était si jolie. Je suis seule dans mon lit. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, mon enfant, c'est si loin. Il est déjà demain. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Félicitations et merci beaucoup à Mme Pierrette merci. Godin. Merci Pierrette. Accueillons Mademoiselle Sylvie Bertrand. Mademoiselle Bertrand. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Avec quel groupe Sylvie? Saint-Jean-Port-Joli. Et Sylvie, qu'est-ce qu'on va chanter? Be Good. Oh oh, Johnny Be Good. Deep in New Arizona, cause the new whole limb. Way back on when I have a silver grin. Still a hard cameraman, so hurts a world. Well, I'm a Johnny boy, and I'm a Johnny boy. Well, that'll learn to read so well. But if you play the guitar, it's just like a ring. The people pass and it was not to say, oh, love, cool, love, play. Go, go, Johnny, go, go, go. 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 Johnny, be good. Merci, Sylvie. Madame Francine Napec. Madame Francine. Niquette. Non. Napère. Madame Napère, je m'excuse. Salut. Avec quel groupe? Bonjour. Le groupe de Sainte-Marie, mais je suis de Saint-Sylvestre. Qu'est-ce qu'on joue? Un Mexicain. Un Mexicain. Un Mexicain. Un Mexicain basané. Est allongé sur le sol, son sombrero sur le nez. Angui, 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 le parasol. Il n'est pas loin de midi d'après le soleil. C'est formidable aujourd'hui ce que j'ai sommé. Rien que pour faire à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail, mais ça suffirait à pousser un homme au travail. J'ai une soif du tonnerre. Je ne vois que des fourchis tout autour de moi. Merci, Madame Napper. Merci. Un Mexicain magané. Madame Clémence Carrier. Madame Carrier. Bonjour, Madame Carrier. Avec quel groupe? L'Outaouais. L'Outaouais. Et qu'est-ce que vous allez lui chanter? Mon petit. Je veux te faire mon bisou. J'ai fait la connaissance. Oh oui, oui, oui. J'ai fait la connaissance d'un beau garçon frisé. Et je suis sûre d'avance qu'il va me marier. Il m'appelle sa petite chatte. Moi j'appelle mon pitou. Pourtant quand je le flatte, il n'aime pas ça du tout. Qu'il est beau, mon pitou. Toutes les filles à
promène, on s'assoit sur un banc. Et dis puisque tu m'aimes, envoie perds pas ton temps. Fais-moi une petite caresse, prends-moi entre tes bras. Et je te fais la promesse, tu ne la regretteras pas. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Je vais te faire ça, toi. Une chance qu'elle n'était pas capable, hein? Yeah! Daniel et France, s'il vous plaît. Un duo. Bonjour, Daniel et France. Avec quel groupe? Outaouais. Outaouais. Qu'est-ce que vous allez chanter? Une chanson du chemin de l'eau, tu es là. Quand le soir descend sur terre, quand les feux se noient dans la mer, quand la peur se glisse dans l'air, les enfants récitent de prière. Quand la pluie frappe le carreau, le brouillard étend son manteau. Quand le vent qui vient aux eaux, c'est au loin s'enfuient les oiseaux. C'est malheureusement tout le temps. Merci, Daniel et France. C'était une tenante de chance. Madame Godin, Mademoiselle Bertrand, Madame Napper, Madame Carrier et Daniel et France. À vous la décision. Madame Pierrette Godin. Mademoiselle Sylvie Bertrand. Madame Francine Napper. Madame Clémence Carrier. Daniel et France. Votre gagnante, Madame Bertrand. Bon, mais Sylvie, là, il y a un bout de temps qu'on n'a pas donné 1000 $. Hey, la dernière émission, il faudrait donner le 1000. C'est peut-être un présage, il y a 3 as déjà. Oui. Bon. Je vous souhaite bonne chance. L'autre côté. Par ici. Très fort. Allez-y. Hop! Un as, 50 $. Mon Dieu! Manqué! 25 $ prix de consolation pour notre gagnante. À une tenante de chance. Signature Maurice Tanguay propose son grand solde annuel. Des centaines de meubles et d'accessoires soldés spécialement pour l'occasion. Et en plus, sur toute la marchandise, nous payons les deux taxes pour vous. Un service de décoration personnalisé, une livraison rapide partout au Québec et les deux taxes payées sur tout. Le grand solde annuel, un événement unique, seulement chez Signature Maurice Tanguay. Et si vous achetez durant le grand solde annuel de Signature Maurice Tanguay, vous aussi vous aurez droit au tirage du million Tanguay. Les sacs Glad avec nœuds faciles sont vraiment résistants. Visitez glad.ca pour des rappels hebdomadaires sur la collecte des ordures. Si vous croyez que les héros ne sont que dans les films, pensez à ceci. Plus de 70% des pompiers sont des pompiers volontaires. Ce sont nos voisins qui mettent leur vie en péril. Lorsqu'ils doivent compter sur une pile, des pompiers de partout font confiance à Duracell. Et maintenant, vous pouvez vous joindre à Duracell pour les aider. En achetant les emballages spécialement identifiés, Duracell fera don de piles aux pompiers volontaires canadiens. N'est-il pas important de pouvoir se fier à quelqu'un? Duracell, on s'y fie partout. Toutes ces années, elle a cru qu'il n'existait rien pour la peau sèche qui démange.
Puis un jour, elle découvrit la crème apaisante Eucerin. Elle est à base d'avoine et soulage en hydratant pendant 24 heures. Et c'est apaisant. On va se diriger vers Genève aujourd'hui. On a autour de mon invité une semaine, c'était Fernand Gignac, avec d'autres bien sûr, mais Fernand Gignac était une grande vedette à ce moment-là. Et il avait choisi une chanson de Jean Ferrat qui s'appelle La montagne. Pourtant que la montagne est belle. Quelle chanson magnifique. Le décor est magnifique. C'est une montagne qu'on a mâché, je suppose, avant, là, l'année, la semaine avant. Une immense montagne. On est en direct. Et pendant qu'il chante, les gens du décor sont allés très vite parce que c'est en direct. Pendant qu'on parle, ils placent les décors. La montagne tombe sur Fernand Gignac pendant qu'il chante la montagne. C'est l'enfer. Mon Fernand, pourtant, puis la montagne. Tête. Là, on revient sur Lalon des Mois, qui avait une petite table à part, et on a dû faire du temps. Pendant ce temps-là, mon Gignac se rétablit un peu de l'incident, et on replace la montagne pour reprendre la chanson en direct. Voilà. C'était quelque chose, croyez-moi. Eh bien, oui! Eh bien, je sens pas, là, le sang qu'on a... On est à la fin. On est à la fin, oui. Là, c'est vrai, là. Après 10 ans... Puis moi, après 5 ans, oui. après deux ans, Richard, après un an. Et je pense qu'on devrait profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont fait le succès des Tannants. Il y a évidemment les téléspectateurs, vous autres, d'abord, qui avez le fait public. Le succès des Tannants. Le public, vous d'abord. Autres? On vous dit un gros, gros merci du fond du cœur. Vous savez aussi... qu'on a atteint des cotes d'écoute avec les publics d'un million passé, les 2,5 millions avec la première. Les Tannants ont créé un précédent. Merci. Merci. Dites-vous bien que cet amour, tous et chacun d'entre nous, nous vous c'est le rendons bien. C'est réciproque. Il y a eu, vous vous rappelez de l'époque de notre ami Gilles Latulippe avec Réal Bélan, Paolo Noël avec Réal et Gilles Latulippe. Il y a eu aussi Joël Denis, il y a eu Shirley, il y a eu Christine Chartrand, évidemment, Roger Giguère et Anne René. Tous ces Richard. Gens ont participé, et Richard. Hey, moi, j'ai participé. Appris une chose. J'ai quasiment c'est appris à chanter. Oui. J'aimerais qu'on dise un mot aussi à tout le personnel de Télémétropole, tous ces gens qui sont derrière les caméras, mais qui vraiment participent au succès d'une émission comme Les Tannants. Les techniciens, la mise en onde, les hôtesses. Merci. Merci beaucoup. Mille merci. Merci. Ce furent 10 années magnifiques en votre compagnie. On vous embrasse et Anne a le mot de la fin. On vous aime. Au revoir. Merci. Hey!